Dès leur inscription à Mission Braco, les joueurs, sollicités par un mystérieux homme cagoulé, entrent dans l'expérience. Jour après jour, les missions s'enchaînent. Avant et après les diffusions, plusieurs fois par semaine, les joueurs vont devoir venir en aide aux personnages de la série. Les sites, les informations, les indices récupérés au fil des missions, les interactions toujours plus réelles avec les personnages maintiennent la tension en permanence. Chaque étape du jeu va progressivement permettre aux joueurs de gagner la confiance des membres de l'équipe et de faire partie intégrante du groupe Kaplan. Un rythme haletant pendant toute la durée de la saison 2. Touche plus à ton clavier. Eddie Kaplan m'a demandé d'embaucher quelqu'un de confiance pour aider son groupe. Une immersion totale grâce à des interactions en temps réel. Bon, j'y vais avec Morligan. Il va retourner à l'Empyrée pour essayer de s'introduire dans le bureau de Myriam. J'ai piraté les caméras de surveillance du cercle. Voilà le lien avec lequel tu pourras l'avertir au cas où un connard pointe son cul. Les agents, recrutés pour la mission, sont interpellés en direct par les héros de la série. En visiophonie... Salut, c'est Eddie. On m'a transmis ton dossier. Tu m'as l'air solide. On compte sur toi. Allez, fais vite, y'a pas de temps à perdre. Connecte-toi vite, perds pas de temps. Par SMS... Par mail... Ouais, Théo. Et même par téléphone. Toujours cerclé là. Faut que tu m'aides. Ensemble, c'est putain de forêt. Un univers virtuel à découvrir et à explorer. Un dispositif complexe qui efface la frontière entre réalité et fiction. Des éléments clés pour enrichir et prolonger les intrigues d'un épisode à l'autre. Une communauté active et motivée. Les fans échangent sur les réseaux sociaux. Collaborent pour trouver des solutions. Et communiquent sur leurs découvertes. L'expérience Mission Braco, plus de 15 000 fans conquis, 60% de joueurs actifs et inscrits sur leur mobile, plus de 500 000 mails et 70 000 SMS envoyés. Une petite révolution dans l'univers des médias. Ça marche, là ? Eh ouais, ça marche. Ah ouais, c'est bon.
salut, c'est Eddie. Ouais, salut, Eddie. Ça devient vraiment dangereux pour toi. On sait plus de quoi Vogel est capable, tu vois. Alors, bon, je crois que ça serait bien que tu te mettes un peu au vert, quoi. Attends, tout de suite. De toute façon, on va tous prendre un peu de recul, je crois. Mais tu laisses ton portable ouvert, hein. On sait jamais. Bien sûr, bien sûr. Allez, merci pour ton aide. Et prends soin de toi. Toi aussi.